J'aimerais peut-être que Léla joue. Ça pourrait être vraiment drôle, ça. Que ma copine joue là pour 5 minutes là. Je vais lui faire la peur de sa vie, man. Ça va être fine. Coff! J'allais dire. Oh! Bonjour tout le monde, c'est bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Spooky Jumpscare Mansion. Je suis équipé aujourd'hui de mon capteur cardiaque. Ça a pas l'air d'être un jeu d'horreur, mais je vous jure, il y a quelque chose... j'arrive plus à parler. On va utiliser le capteur cardiaque aujourd'hui pour voir jusqu'à où est-ce que je peux me rendre en termes de BPM, donc de battement de cœur par minute. Normalement, un humain slash un adulte normal est de 60 à 80, à peu près 100 des fois quand il fait du sport ou quand il fait une activité très sensorielle. J'ai vu également beaucoup de commentaires qui me disaient d'essayer le capteur cardiaque sur un jeu d'horreur, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant de commencer, merci énormément des retours que j'ai eu sur les vidéos que j'ai fait avec les capteurs cardiaques. Donc la dernière que j'ai faite, c'était sur Fall Guys. On a fait 150 000 vues sur TikTok et je trouve ça juste insane. Je trouve ça vraiment nice. Merci beaucoup. Et sur YouTube, je pense qu'on avait fait 700 vues. C'était vraiment quand même pas si mal. Je suis vraiment, vraiment content. Donc ben, je pense, sans plus attendre les gens, c'est parti. Donc on va découvrir ce petit jeu-là ensemble. On va se créer une nouvelle game. C'est parti. Hello, I am Spooky. Les textures qu'ils ont utilisées pour le jeu, je trouve ça quand même cool. Oh boy. J'aime pas les jumpscares, man. Ah, c'est-tu que j'aime pas les jumpscares? Oh! Oh, j'aime pas ça, ça fait tellement longtemps. Ok, ouf. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un jeu d'horreur, les amis, que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime jouer. Donc, j'y joue jamais, en fait. Fait que là, premièrement, je stresse. Je pense que c'est un très bon jeu pour cette vidéo. Puis je serre les fesses, là, mais genre fois 4. C'est comme là, il y aura rien parce que il me dit « Ah, c'est rien, il y a absolument aucun problème. » Puis finalement, genre, je vais me faire défoncer dans pas long, c'est sûr, certain. Le but du jeu, c'est de faire 1000 chambres. On va peut-être pas se rendre à 1000, mais on va en faire quelques-unes ensemble. Hop, là, c'est une question de... Oh. Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? Il y a rien encore, là, pour l'instant. Le suspense, il me tue, man. Genre, fais quelque chose. Oh, ok. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. Je suis vraiment surpris, même. Je pensais vraiment que j'allais me prendre plein de trucs à la gueule, mais ça a l'air que non. What the fuck? Pourquoi il n'y a aucune... C'est moi qui fais pas quelque chose de correct là, ou c'est quoi? Christ. Ok, oh my god, je déteste ça, les jeux de même, c'est incroyable, vous avez même pas idée. Une petite note qui dit en gros, ça fait plusieurs jours que je suis ici, cette place là au début semblait cute, semblait charmante. Yo, sérieusement, je suis tellement sur les nerfs en ce moment, c'est incroyable. Ok, la personne qui laisse des lettres dit qu'il a bu de l'encre. Ça goûte pas très bon. Ça la soif pas ma soif. Je pense pas que la boire était une idée romantique. Ok. Là, j'ai une jauge de vie. Ça veut dire que je vais me faire peut-être chasser par quelque chose éventuellement, c'est ça? Fuck off, man! Oh my god! J'exagère tellement pas, je suis tellement surpris à chaque fois, hein, les bruits que ça sort. Oh my god! Ça me donne des shivers, man. Ça me donne de la chair de poule, pour vrai, c'est même pas une joke. Ok, le son a changé. Huh.
Ok. Là, ça, c'est un réel checkpoint. Ok, c'est pas super. Let's go. C'est quand même bien foutu comme petit jeu. En plus, ce qui est le fun, c'est que je cherchais un jeu gratuit. Parce que je voulais pas... tu sais, pour une vidéo, je me disais que acheter un jeu, je trouvais que c'était un petit peu un gaspillage d'argent. Fait que ce petit jeu-là, il était gratuit. Puis c'est un des jeux les plus... les mieux rated, étant un jeu de peur. Donc, je trouve ça cool quand même. Ok. Il y a un genre de tache d'huile à terre. Fait que je pense que ça, faut l'éviter parce que ça me fait marcher bizarrement. Ok, il y a des petites notes pour de vrai pour l'instant. F*** off! Holy shit! J'aime pas ça. Je pense que je vais jamais dire ça une autre fois dans ma vie, là. Comme, j'ai hâte que la vidéo se finisse, pour vrai. C'est même pas une joke. Ah, nice. Ok, j'ai pogné le bon chemin. Ah, c'est même pas une joke, pour vrai. J'ai hâte que la vidéo se finisse. C'est horrible. C'est la première fois et la dernière fois que je vais dire ça dans ma vie, je pense. Oh my god, j'ai la chair de poule. F***! Oh my god! Oh là là, je suis terrifié, man. F*** my life. Ah, si je la trouve pas drôle, là, l'histoire, là. Ah, c'est confusing, man, comme jeu, c'est incroyable. Je pense pas que c'était du vin. Tantôt, il y avait une note où ce qu'il disait que il s'était réveillé avec une bouteille de vin sur le côté de quelque chose. Ou le côté de lui, je pense, à côté de lui. Puis il l'a bu, puis il dit que ça goûte pas le vin. Ou que c'est peut-être pas du vin. Il fait en plein jour en plus, puis juste le bruit, là... C'est ça, ça me stresse, mon gars, c'est incroyable. C'est vraiment la première fois que je joue à un jeu d'horreur, ou même la deuxième fois, en fait, parce que j'ai déjà joué à Slenderman, back in the day, quand ça... Ah, je pense qu'il est encore en arrière de moi, hein? Yup, ok. Là, cette fois... F*** off! Ok, je vais essayer de speedrun ça un petit peu, voir. Je comprends pas les gens qui jouent à des jeux de même sur leur chaîne YouTube. Pour de vrai, là, je vais pas vous mentir, moi je suis hyper stressé en ce moment. J'ai juste envie de finir la vidéo, pour vrai, c'est incroyable. Tu vois sa gueule un petit peu? Quand même dégueulasse. Je sais pas combien de salles qu'on peut faire, on pourrait peut-être se rendre à 200 puis on verra, là. Ouh! Ouh, j'aime bien l'ambiance ici. Ok. Sujet 5 grandit énormément. J'ai dit à Spooky qu'on avait besoin de plus de sous, mais elle a juste ri et elle est partie dans le plafond. Sans produits chimiques, je peux pas les garder dociles. Je suis pas sûr combien de temps que je peux les garder en sécurité ici. Ah, ça me donne des... Ça, je suis sûr que c'est un jumpscare. Ça, c'est un jumpscare aussi, je suis sûr. Non, ok. Ah, je suis une grosse tapette, là. Ça a même pas d'allure. J'aime pas passer par-dessus des trous. What the f... Pourquoi... Ah, j'aime pas les clicking. Ah, j'aime pas les... Ah, oh, j'aime tellement pas ça, man. Il va me falloir une thérapie après ce jeu-là, man. Holy shit. Cough. Oh. My god, je suis tellement tense, là. Holy shit. On a fait 150 pièces. On va peut-être en faire 50 autres. Puis je pense qu'on va être correct pour la première vidéo. Si jamais vous voulez voir une deuxième vidéo, les amis, dites-moi ça dans les commentaires absolument. Parce que je veux voir si ça vous intéresse. Parce que je vais pas le faire par moi-même, ça, c'est sûr et certain. Mais si vraiment vous me dites dans les commentaires que vous voulez avoir une deuxième épisode, je vais peut-être le considérer. Oh non. Ok, là, il y a des flashlights, là. Oh, f***.
This is not good. Ok, shake, shake, shake. Shake your booty. Ah, je me sens pas bien, man. Ah, si je me sens pas bien. Ah, oh, j'aime pas les bruits. Ah, c'est que j'aime pas les bruits. Oh my god. C'est trop pour moi, man. En y pensant, par exemple, j'aimerais peut-être que Léla joue. Ça pourrait être vraiment drôle, ça. Que ma copine joue, là, pour 5 minutes, là. Je vais lui faire la peur de sa vie, man. Ça va être une... F*** off! J'allais dire... Oh! Ok, c'est la petite fille, là, qui me suit. Oh my god, elle m'a fait peur. Holy shit. Oh my god, j'aime pas ça. Ah ouais. Ah ouais, la 200e porte. Man, genre, je l'attends, là. Je l'attends avec impatience. Je m'en fous, je spam les portes. Je m'en bats les couilles. Je sais pas quoi dire, pour de vrai, je suis complètement terrifié en ce moment. C'est même pas une joke. Allez, il reste plus que 4 portes. 4 portes, s'il te plaît. Go. Come on. Il est en arrière de moi. Il est en arrière de moi. Non, c'est l'autre. C'est l'autre qui est en arrière de moi. Je pense que ça, c'est le gars qui nous mettait des notes. Ok, bon, ben, il est clairement décédé, là, malheureusement. Je suis en train de déduire. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Genre, j'en peux plus, merde. Ok, vous laissez un pouce bleu, un méchant pouce bleu en bas de la vidéo. Puis je vous fais 50 autres pièces. C'est parti. Mais il faut que vous laissiez un pouce bleu. Si vous n'avez pas laissé un pouce bleu, les amis, je vais vous taper ses doigts comme ça. Ok, let's go. Coff! Ça commence super bien. Yeah, yeah, j'adore. Waouh, haha. Je vais faire des tronches de merde en ce moment. C'est incroyable. J'aime les différents décors, là. Si on peut parler un peu du jeu, là. J'aime les différents décors, les différentes pièces qu'ils rajoutent. Ça rajoute quelque chose, je trouve, au... Même si c'est... Ok, ça, je déteste ça, par contre. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça? F*** my life. Oh, merci. Pourquoi ça fait ça? Hein? Yo, c'est trippy! Ah, j'aime pas ça. Holy fuck! Ah, je vois que dalle, man. C'est dégueulasse. Oh my god. Je vous le dis, hein, faut que vous lâchez un pouce bleu en bas de la vidéo. Vous avez pas le choix. Je vous jure. Vous avez pas le choix, les gars. Ah, j'aime pas les bruits, man! Oh! C'est quelque chose qui me suit, là. Le gars qui a fait le jeu, là, c'est un génie, man. Pour de vrai, là, c'est vraiment insane comme jeu. C'est malheureusement vraiment pas pour ma... Comment je vois ça? Je sais pas, je suis pas capable de parler. Oh, ça, c'est le Spécimen 5! Ok. Lui, il est f***ed up, man. C'est f***ed up parce que je suis pas capable d'avoir les portes, des fois. C'est horrible. Ok, puis là, c'est calme. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Très belle joke. C'est très belle blague. J'aime ça. Haha. Ah ouais, man. 250, là. Come on. Let's go. Go, 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 go. Je m'en bats les couilles. Ok, on est presque là, les gars. Let's go. Let's go, let's go. Oh, j'attends. Je m'attends à tout en ce moment-là. Oh! Ah ouais? Donne-moi ça. J'ai pas envie d'ouvrir son cadeau. Ah, fuck off. Ugh.
Ok, oh my god, je suis tout tendu, mon gars, je suis comme... Oh les gars, mon gars, oh my god, pour de vrai, c'était vraiment le fun de faire ça sur la chaîne. Vraiment, laissez un gros pouce bleu en bas de la vidéo si jamais vous voulez avoir un deuxième épisode. J'ai vraiment aimé le petit concept avec donc le capteur cardiaque comme d'habitude. Le jeu est quand même vraiment cool, je suis content d'avoir pris ce jeu-là pour cette vidéo-là parce que je pensais vraiment... Au début, je voulais faire du Dead by Daylight, mais c'était pas assez stressant à mon avis. Ce jeu-là était vraiment plus... Il me pognait un peu de tous les côtés, puis je m'attendais pas à ce que ce qui allait arriver, parce que je suis vraiment pas habitué à des jeux comme ça, j'ai jamais même regardé du gameplay sur ce jeu-là. Fait que je trouve ça vraiment cool d'avoir joué à ce jeu-là, même si ça fait longtemps. Mais bref, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait un énorme plaisir. Commentez, likez et partagez la vidéo si ça vous tente. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux en bas de la vidéo, et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!